de chaque climat, il y a des inconvénients. Par exemple, il y a une chaleur canicule. Aujourd'hui, il y a du vent. C'est incroyable. Ça fait du bien, mais pour l'enregistrement, effectivement, il faut protéger le micro avec les watts. Et que j'en ai pas. Il faut que je me recroquille encore comme si j'étais dans une tournoi. Voilà, on revient toujours. On n'en sort pas. Alors que j'imagine aller à droite, à gauche, dans le quartier de mon enfance. Alors que je suis bien ici, dans mon quartier, qui est presque un facsimilé de mes anciens quartier de mon enfance finalement. En plus, la rue s'appelle Kırkahvesi, ça veut dire que café de campagne. Voilà, c'est pour la fête, c'est Val Galante en province. Voilà ce que j'imagine quand j'entends ce mot Kırkahvesi. Effectivement, nous sommes sur une colline, il y a du vent, donc on n'est pas asphyxié en plein été. Là, il n'y a aucune raison que je prenne un véhicule de mobilité, comme disait Eddie Warburg. C'est bizarre, c'est mieux rester non pas chez soi mais devant la porte. Si tu as besoin de quelque chose de chez soi, tu seras prêt et tu vas descendre, tu vas monter. C'est ça la vie de quartier. Je cherche toujours ailleurs. Ailleurs, c'est ici, maintenant. Finalement compris ça. Ben voilà une idée qui m'est venue tout de suite. Enfin, je pensais beaucoup finalement. Sans avoir un transport. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller aux forêts, au bois. Mais je pensais des cimetières quand même. Et cette partie que je voulais aller, et la partie des Iraniens, des anciens habitants d'Istanbul qui sont ensevelis dans cette partie, et parce qu'ils ont une mesquite à part et selon un rite différent. Voilà, c'est une bonne idée. Et j'étais une fois à l'intérieur. Et je suis tombé dans l'heure de culte, et donc j'étais obligé de participer. Et les gens, ils ont compris que ce n'était pas le même chiffre de prosternation. Effectivement, ils m'ont dit que vous pouvez vous retirer. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais quand standard, en fait, prosternation est fini, les gens, certains Jean, c'est-à-dire les sunnites, ils partent, eux, ils continuent à leur rite selon leur tradition. Et la différence radicale, pour moi, il n'y avait pas de chapelet, mais au lieu de ça, il y avait, je crois que ça s'appelle map de Mevlevi, mais c'est juste pour, dans une taille de croix de main, il y avait des marbres colorés, bien polissés et ayant sûrement 8 points, c'est-à-dire octogène. Voilà grande différence. Mais comment ils utilisent? Ils conservent ça dans une boîte, dans un coin de mosquée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Sûrement, ils le touchent,
Voilà, il le saisit par la main pendant la prière seulement. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais essayer. Voilà, il fait frais, donc je peux marcher. Habib Pichon, Mahmoud Mahpour, Sedan Wahedi Mahpour, Chebister, Eshraf Kameri, Chebister, Eshraf. Pichon, Sultan Pichon, Ibrahim Pichon, Seyyid Sadeh, Elam. Faut bien écrire ou bien enregistrer. Sakazadeh, Seyyid Rahim Izedi, Fatma Gazihan, Ibrahim Gazihan, Abbas ve Mestan, İlhan, Terlan Pelenk, İzzet Güraraz, Rehbani, Bergi Şadi, Haşim Zade, Ali Kurban Zade, Mader, Gülizar, Suari Zade, Mesture Hur, Abdullah Hoşhaber, Hasan Perez, Hüseyin Müftahi, Karaçanta, Gönül Rehbani, Melek Cihan Mert, Cemal Cihan Mert, Cevat Eşrefizade, Hasan Fetihi, Behmen Hüseyinzade, Hüseyinzade, Karyuş Kupa, Kural, Karyuş, Hanefi, İnsan vücudu kainattan haberdar, sen kendinden haberdar mısın? Bebek Fetihi, Setin Tomba Ölüm Bebe,
4 fari bacherini. Elle est née en 1939, décédée 2021. Gertrude Fari Bacherini. Jalal Shohar Sattari. Ali Milani. Née en 1919. Décédé 2002. Presque centenaire. Mihail Erdal Karani. Tutya, Hüseyin Tutya. Sadi Kurban Zavade. Verdi, la famille Verdi, assez colossale et protégée. Verdi, Menige Azerbaïdjan, mort en 1993. Cihandide, famille Cihandide. Mihriban Verdi, Kemal Verdi, Feridun Verdi. Rukiye Şefizade Şebüsteri, Samadi, la famille Samadi, Mehmet Ali Samadi. Mirza Ali Samadi, Samedi. Emel Müştehidoğlu, ressama mort. Canan Leki, Rıza Leki. Nazenin vatan dost. Hamdullah Pur. La famille Hamdullah Pur. Kasım Cevani. İfakat Sıcak. Şadan Civani. Mehmet Yegani. Saadet Cevani, Gordi, famille Gordi. Deeply yiyor. Sacide Samadi. Ahmet Rodcai, Ahmet Rodcai, Bijan Nazem, Şahrezai, Mo 2009, Bijan Nazem, Şahrezai. Non, ce n'est qu'une petite chemin que j'ai parcouru, mais
Il y a encore beaucoup d'eau. Ok, je... la famille Salari, il y a plusieurs personnes, mais il n'y a que trois Normands. Donc les autres, peut-être c'est Swid. Le plus tard, quelqu'un, Abel Salari, il est, elle est mort en 2009. Ferus Salari, Ferdun Salari, il n'y a que trois. Et il n'y a aucun signe concernant l'islam. Très intéressant. Il y avait la famille Poussane, Vassad. Très intéressant les noms. Il faut toujours marcher. Oui. Je m'assois un peu quand même. Effectivement, hier, je lisais le roman romantique de Chateaubriand, le dernier de Ibn, disons, Jéhil, non pas Jéhil. Alors, sa famille était de l'origine de Grenade, d'Andalousie. Eh bien, ils étaient obligés, après la chute d'Andalousie, se réfugier en Afrique, près de Tunis. Et ils ne sont pas séjournés là où il y a plusieurs Arabes immigrés qui venaient d'Andalousie, mais ils ont choisi les ruines de Carthage et dans la proximité du tombeau de Saint-Louis, je crois. Là, il se promenait pendant son enfance et il écoutait les histoires de Grenade de sa famille. Donc, il avait un vœu de visiter un jour ce que la famille avait toujours raconté, donc Grenade. Et il cachait ce vœu de sa mère même. Donc, un jour, il est parti avec une amie des commerçants arabes, des Africains, qui allait chercher de la soie, tissu, à Grenade. Donc il est arrivé à Malaga et à Grenade et à Cordoue. Il a eu l'occasion de visiter les cimetières arabes et tous les têtes disons, pierres tombales. Tête islamique, je dirais le chapeau, non, c'est pas kabouk, c'était cassé, ils avaient mis de quoi, etc. Donc ils étaient émus de voir tous ces ancêtres en Sélénie, les lieux de culte en ruine, et un palais de cordeaux était. Bien sûr, fermé, sauf il a l'occasion de visiter dans une visite privée avec la fille de Castille. Il va tomber, enfin réciproquement, ils vont tomber amoureux, mais à condition qu'ils changent chacun leur religion et qu'ils acceptent la religion d'autrui. Donc c'est un amour impossible et par l'honneur, il n'inclinait pas devant l'amour comme un chevalier. La fille aussi était d'une famille noble soi-disant, mais
à la fin, on comprend que c'était une famille d'une aristocratie de guerre contre les Arabes. Et ils avaient, à l'échange, après la guerre, ils avaient tout leur bien, tout le bien des Arabes, la maison et le reste. Voilà un homme impossible qui n'est pas trop criant comme Roméo et Juliette, mais qui passe dans le cadre d'un gentleman, chevalier, enfin, dans les limites de chevalerie. Et ce musulman, il est déclaré comme condition préalable pour un duel. Donc il est déclaré chevalier parce qu'il était simplement quelqu'un qui ramasse des plantes pour guérir les gens. Il n'avait jamais eu l'occasion et l'envie de faire la guerre. Et il n'était pas chevalier, il n'était pas guerrier. Mais pour que ce soit tout soit en ordre, il est déclaré chevalier avant le duel avec un Français. À cause de cette fille et l'honneur. Donc, il a gagné parce que son épée était en acier de Damascus. Donc, c'était inébranlable. Et l'autre Français, il a cassé son épée. Et il a demandé la, comment on dit, le pardon ou la. Voilà. Ce qui est important en fait, une seule phrase dans ce roman, à la fin quand même, ça fait pleurer. Justement à cause de la description des cimetières musulmans, à la différence de, catholique donc. Cette simplicité et l'eau qui coule et surtout une petite creux qu'on met dans le tombeau pour que les oiseaux puissent boire de l'eau. Là, ça me fait pleurer parce que ça existe toujours. Moi, aujourd'hui, en visitant, j'ai essayé de remplir tous les creux avec de l'eau. Il y a beaucoup de fontaines ici, justement, pour entretenir la verdure et pour que les oiseaux boivent de l'eau. Bon, la plus importante phrase, c'était quoi? C'est hier que j'ai tout de suite enregistré. Citer ce paragraphe, c'est, je ne peux pas refaire, j'ai bien fait l'autre jour en ajoutant encore. Il s'agit de langue d'autrui qui est laisser des traces chez l'autre, et dès qu'il entend des traces effacées de sa langue, donc arabe, dans une française, dans une espagnole castilienne, et il était ébranlé, ce jeune amant. Voilà, j'ai bien traité ce sujet hier. Je suis fatigué aujourd'hui. Oh.
Excusez-moi, parfois j'utilise le mot grec, enfin, par des formations professionnelles, hypostase. C'est très simple. Vous dites la même chose en disant récurrence. Hypostase, dans les doctrines, c'est un peu exagéré. Mais quand on dit hypostase, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se répète dans une figure, chez un ami, chez un invité, etc. C'est-à-dire quelque chose qui se répète, qui se présente. Mais il ne faut pas trop croire. L'hypostase, c'est exagéré, mais récurrence, c'est-à-dire ce qui n'a pas eu une occurrence que ça répète. Quand je répète moi-même, une récurrence veut dire. C'est parce qu'il n'y a pas une occurrence que ça recule. Roi des caravanes des douleurs suis, pèlerin fidèle du désert des ennuis. Ne me méprise, frère, fier et superbe gueux, homme sceptre du port. Qui nul ne redoute, ici-bas le trône de l'art, mais mon lot, peine et ennui sont mes sujets, féaux, d'aucune opulence ne le moindre souci, d'aucune trésor perdu, le regret ne me cuit, du fond de ma misère, rêver me suit. Que du trésor fabuleux des Crésus je dispose, pour joyaux éphémères n'est que mes pleurs, trésor de la tendresse m'ayant fui pour toujours. Et de mes visions je forge ma souffrance, ma joue moi-même de larmes je fais pâlir. Me retournant contre moi, me blesse à plaisir. Oh, ce moi qui fait de la vie longue nuit, nuit qui de mes soupirs et de mes cris pâtit. Pourtant, pour tes dons et paroles, merci, vie. Si mes yeux sont en pleurs, c'est pourtant teinte de rose, si tourmente me dévore, c'est pour tes noires tresses. Oh, toi passion, source de ma détresse, ô ruse d'autrui qui toujours me confond, c'est que ne puis hélas régler mon propre sort. Ni mon but atteindre par honnête effort. Toi qui me portes en vie, que sais-tu de moi? Sais-tu que n'est pas frayeur de l'envie ni de honte? Ne crains-tu que ma plainte n'use ta violence? Que le temps nous dise quelque rude complot? Contre toi, tant qui du juste se fait toujours vengeur, voyant s'ouvra sous sa roue d'équité le méchant. Est-ce que la plume du sort a tracé, nul ne l'efface, de là ma consolation. Et une fois écrit, heure ou malheur, hormis lui, nul ne peut leur faire changer de cours. Bonheur,
malgré tout, restera bonheur. Astre n'est-il astre même déchu? Souffrance ne le pourront en cendres disperses. Juste l'envie en infortune réduire. Sous la reverse ottomane, Rossignol est transi. Mais printemps accourt bientôt le réchauffe. Celui qui par l'éternel est marqué, pour être heureux, il sera heureux. Si un jour, par traîtrise des lois d'ici-bas, de ta félicité les couleurs ternissent, que le temps ennemi semble contre toi agir, prie dans l'engrenage changeant de la vie, ce temps, plus tard des remords, rugira, qu'il s'agisse du croyant ou de l'infidèle. Fuzuli, souviens-toi de tes serments d'antan, trêve de soupirs et de vaines paroles, ou ta poitrine à tous les mâles cible, et prends en patience et ces mots est pire, qu'amitié des humains soit ton unique gage, c'est ton seul bénéfice ici-bas, ô aveugle. Ami, parjure, sort, cruel, monde d'angoisse, chagrin, en foule, adversaire, sans merci, étoile, ternie. L'homme de l'espoir n'anime le soleil de la joie, d'honneur cette cruelle, de devoir point, bon sens nulle part, blâme de partout puissant, amour, blessure dont l'état va empirant, moi, toute meulerie, voix pleine d'embouche, moi, toute misère, vie pleine de beauté, l'homme de chaque hauteur, déluge de mots scellant, lac de chaque souci, ô folie conduisant, le savoir, tous les frissonnantes vont, la voix imprécise comme si près miroitant, désir, qu'épreuve ajoutée à épreuve, gouttelette de vin pur, les coupes se suivent. Tout but, raisonnant comme grêlot et grêlé, vouloir, sentier plein de creux et de bosses, le corps promenant ses membres disloqués, tel gouffre et le monde, oh, pauvre de nous sans guide, sous ton visage livide, c'est l'âme de son poète, mais c'est la vie t'intendant de ses superbes teintes. Dieu, donne-moi pour compagnon et père le mal, quel amour. Ne me prive pas un seul instant de ce mal, quel amour. À ceux dont la science et douleur assistance ne refusent, assemble sur ma tête tous les mots, c'est mon vœu. Laisse-moi vivre penché sur ce mal tant que je respire. Il m'attire, je l'attire, il me veut, je le veux, c'est mon sort. Que
prudence n'altère jamais en moi ce mal fait d'amour, pour que ceux qui me savent ne m'accusent d'inconsistance un jour. Quand mon mal me quitte, fait sans cesse à mes yeux croître ses attraits. Quand il m'assiège, fait en sorte que je l'aime plus et plus. Fais-moi faible, si faible, quand je suis loin de lui, tel fais-tu, qu'un souffle puisse me prendre et m'emporter droit jusqu'à lui, comme à ce Fuzuli, que l'orgueil seul ne soit point mon lot, que je me l'accroche sans cesse à moi-même, ô mon Dieu. N'inflige à d'autres seigneurs ce supplice, je t'implore, ni l'autre que moi ne soit self d'amour. Dieu du croyant, au moins cette fois ne me livre au profond même de ces cruelles déesses. Voyant cet astre à ma perte acharnée, c'est elle, ai-je dit, pour qu'elle n'en eût remords. Ta flèche a percé mon cœur, veux-tu l'avoir? Mais plutôt m'arracher le cœur que la flèche. Destructeur sans merci. Mais malgré tout cela, cet amour de mon cœur est le seul souverain. Des plaintes, des malheurs, j'ai l'accoutumance. Qu'on me laisse pâtir tant qu'on peut, Seigneur. Dans l'ombre des tavernes, Fuzuli ressuscite ses saints refuges, fais-les prospérer, mon Dieu. Ces poèmes de Fuzuli furent écrits en trois langues. Divan en arabe, divan en turc, divan en persan. Sous la rigidité des durs moules des vers métriques traditionnels, on trouve l'esprit généreux, le cœur sensible d'un homme qui de très tôt a pesé la vanité des choses et a opté pour l'humilité. Son nom propre même en est la preuve. Fuzuli veut dire vain, inutile, tout simplement. C'est une citation de la traducteur de ses grandes poésies, Nimet Arzik. Von Eden, legitime, ultimative Frage, aber ja, ich verstehe Sie, aber zu gehen, wo? Eden, wie kommt es, dass dieses Eden da, wo ich habe niemanden gefunden, dort wohin geht dann für die Menschheit? Oh nein, nicht. Das Nicht-Gefülltem, Nicht-Gefülltem sofort dieses Land mit Sisi automatisch ausgefüllt wesen, sogar Erfüllung neben Fulfillment. Recréation d'Eden, la question ultime légitime, mais oui, je vous includes.maitremaes versetus ou Eden commentaire, faut-il que Zis Eden parce que moi sur le quellier ne ai pas fond quelqu'un, là-bas où va ensuite vers l'humanité. Oh non, pas ça, pas remplisse ta haute de suite, zis, taouis, vous voulez être rempli d'auto-remplissement, sème d'ailleurs full faillement.
Création d'Éden, la question ultime légitime, ou pour comment faut-il cet Éden parce que sur pas trouver quelqu'un, ou va vers l'humanité, cette terre avec vous être auto-remplie. Recreation of Eden, legitimate ultimate question, but yes, I understand you died but to go, where? Eden, how is it that this Eden, because where to have not found anyone, over there with a thento humanity? Oh no, not that dot, not fill it right now, this land with you auto-filled beings, even fulfillment besides fulfillment. Re acute creation datin, the question ultime legitime, mais oui, je vous comprend, mais, pour all, oh, Eden comment foil, q set Eden parce que moi sur le kelpus trouve calcun, le pisuvie en suite vers la humanité, oh, non, passie, par remplis, pas remplis out de suite set terra avis vis vous les eaters auto remplis, remplissement ma meteors fulfillment. Peut-être ce soir, je vais parler de chemise de Junaïd, ce qu'on appelle dans le soufisme une sorte d'habit dans lequel on vit comme le tombeau du corps, soma de sema. Tout le sens est là en grec, comme Platon faisait allusion au mystère orphique. Bah, il n'y a pas de parloir du matin, et c'est le 4 novembre, alors dans l'est de la Turquie. Les militaires ont fait les affectés, donc les citoyens, les jeunes. Ils ne sont pas transportés comme auparavant vers l'est ou vers leur casin avec le car. Civil, parce que le transport en Turquie c'est fait avec le car, il y a très peu de transport en train. Donc, voyage avec le car est très très dangereux pour les jeunes affectés. Donc, leur transport est réalisé par l'avion. Donc, ils voyagent en civil, mais tout le monde sait qu'il s'agit d'un militaire. Et j'ai eu le sentiment que ces gens, tout à l'heure, j'ai croisé, ils allaient à la mort, silencieusement, comme chacun de nous qui va au boulot pour travailler, et eux, sans savoir, ils vont à mourir. Et comme ça, comme une petite voilà, il passe entre nous, comme chaque citoyen, mais ils ne vont pas au boulot, mais ils vont prendre l'avion, et dans la ville, ils avancent. Pour aller à Diyarbakır peut-être, avec l'avion. J'ai trouvé le verbe exact. Les jeunes affectés, ils n'avançaient pas parmi nous, entre nous, mais ils se glissaient comme un signe, le signe de Proust, comme le signe de Proust. Quand on a inventé le train, en fait, le premier wagon, ce qu'on discutait, en fait, dans cette vitesse, si les gens ne se entasseront pas, ils ne seront pas serrés par une certaine sorte de tension atmosphérique. En fait, ils pensaient l'espace qui bougerait, en fait. Je pensais, en fait, pourquoi on dit automobile, oui, ça m'ouvre de soi en soi. Bon. Comme s'il n'y avait pas d'une énergie extérieure. C'est pas vrai. Alors, il faut penser à l'espace mobile, voilà, un espace mouvant. Et chaque fois que nous sommes dans une
véhicule de transport. Pour l'instant, je suis sur un bateau. Je vois tout le palais de Topkapi devant moi, Sainte-Sophie, etc. Qui a l'air de s'avancer et immobile. Tout en étant immobile, et ça fait une parade devant mes yeux. Et moi, au fond, moi qui est mobile, dans un espace mobile. Moi, je suis assis, je ne suis pas mobile. Je me demande si l'espace qui est mobile à ce moment-là. Oui, l'appareil, le véhicule est mobile, mais finalement, ce moment-là fait que l'espace aussi bouge. Car il n'y a pas d'espace en dehors du mouvement non plus. C'est relatif. Il faut que l'espace ne soit pas immobile. Et selon la vitesse, l'espace aussi se varie. Et non pas seulement avec la vitesse. Ça, il faut penser non pas ici en quantité de vitesse, mais qualité de la vitesse aussi. Ici, on avance en se flottant. C'est une sensation différente par rapport à l'espace. Et si j'étais non pas dans la mer de Marmara, mais dans le Golden Horn, l'espace sera plus serré parce que deux côtés de la mer sera rapproché, comme dans une rivière en fait. Ce sera une autre sensation de mobilité. Voilà. Oui, je n'ai pas de documents aujourd'hui, ni poétiques, ni historiques, ni philosophiques. Il n'y a pas de documents philosophiques. Il y a des monuments. Et je suis là devant un monument de martyrs. Et il y a une classification, une taxonomie très très intéressante. Je vois en fait tous les noms de martyrs d'origine de Caramusel. Les morts sont commencées le plus tôt, il me semble, au mois de février de 1915. Donc les Occidentaux, quoique la guerre de 14-18, ça n'a duré que 4 ans. Apparemment, les Ottomans ils sont entrés au mois de février 1915 et ils sont sortis en 1923 à peu près. Et parce qu'après la guerre, après l'occupation, la guerre de libération a duré et c'est fini jusqu'à la proclamation de la République turque et abolition de l'Empire ottoman. Mais les noms, en fait, intéressants, il y a des noms d'habitants de Caramusel comme Begovic, Rasim Boshnak, etc. Donc, ils sont presque tous disons des réfugiés. Ils sont venus à s'installer à Caramusel en fuyant l'autre guerre qui est avant toute la guerre. C'était la guerre de Balkans. Donc c'était une sorte quitter les Balkans. Le temps de quitter le Balkan, dire adieu à Balkans. Et c'est très bizarre, et ça tourne, c'est une sorte d'hexagone, c'est un monument aux martyrs avec les dates très précises et les lieux de mort. La plupart du temps, dans les hôpitaux, on donne le nombre de batailles. Il y a tellement de petites batailles, par exemple dans le Caucase, on voit le nom de bataille de Dilmun, bataille de Talas, bataille de Tatvan, c'est 1915. Donc, et contre les Russes, elle est insurgée, bien sûr, des paramilitaires arméniens. Eh bien, même en Irak, il y a un front irakien là. Le nombre de lieux, ça est encore actuel. Felahiyeh, seulement pas Kutul Amar,
Beyti İsa, Ankor Felahiye, Kutlamare, Selman Pak, Kutlamare, Felahiye, İstilat, Bağdat, Bon, Hicrinler, Romani, Hôpital de Baptoma, Rishon, c'est Gazze. Bon, il y a même Gazze. Ce qu'on appelle Trablus, apparemment, ce n'est pas en Libye, ce n'est pas Trablus Carp, mais c'est encore de Philistine, Gazze. Et comme mon grand-père, il était en bataille et il est tombé en otage aux Anglais. Et l'autre jour, j'ai fait un film j'ai dédié à mon grand-père, c'est la première fois, et dans les cimetières des Britanniques. Ben, je vais vous lire un texte que je me promène avec depuis quelques temps. Je vais lire sans commentaire presque automatique. Au lieu de d'hôtel, parage et colonnade. Vanitas, Lacan, morbidité, nature morte. L'animal chassé, volage, undertaker, effigie, masque mortuaire, pompe funèbre, les pompes, Angelus du soir, les chants, Millet, le peintre, Holbein, ambassadeur, anagramme, trompe-l'œil, illusion optique, paradoxe, picturaux, écher, catharsis, anamorphose, déjà vu, Gombrowicz, John Berger, Siegel, enseigne, brochure, papier vélin, imprimerie, Mayence, Lebanon, Tombouctou, Saragossa, Alexandrie, manuscrit trouvé à Mermot, Saragossa, Ephesos, bibliothèque d'Alexandrie, les colonnes de Rhodes, Pline, Copte, Église d'Éthiopie, Nag Hammadi, Évangile de Barnabas, Mémoire d'aveugle, Jacques Derrida, Tobie, Père, Fils, Lacune, Couvrir la vue, autoportrait, la commande, famille commodore, fresque, mosaïque, villa Borges, villa Medici, Syrie, Antioche, Nicosie, Diogène de Sinope, palmyre, aphrodisias, Parguet, Pegomium, Osman Hamdi Bey, Tombe Shrine, la reine Victoria, le cabinet des curiosités, Balzac, Trompe la mort, la peau de chagrin, Jérôme, les orientalistes, Pierre Loti, Lord Byron, Ernst Renan, Bibliothèque nationale de Paris, rue Saint-Honoré, Richelieu, conseiller intendant du roi, rue Faubourg Saint-Honoré, Faubourg de Montmartre, le cabinet noir, Commune de Paris, Hyperion, Hölderlin, à Bordeaux, Rimbaud,
de Charleroi, chef-d'œuvre inconnu, effet de Pygmalion. Parage, cadre, passe-partout, chorismos, horizon, lime, limbe, lambic, rogatoire, Dante, Hadès, Orphe, Euripide, Eros et Psyché, Hyacinthe, Embaumeur, rue de Fonds pour Saint-Honoré, coffre, coffin, Titus si Carmel, coiffure de défunt, defuntis, de profundis, chant grégorien, le calendrier grégorien, le calendrier julien, Jules César, Caligari, Agrippa, Néron, Chironisme, Vésuve, Héliopolis, Timon d'Athènes, Galen, théâtre élisabétien, Essex, estampes japonais, céramique de Crète, Sicile, vase grec, abscisse, cathédrale de Lincoln, Lucifer, l'unicorne, licorne, tapisserie de Dame et la licorne, Jean Genet, géométrie, Rembrandt, déchiré et foutu aux chiottes. Yves Lacoste, dictionnaire critique de théologie, Michel Tardieu, Marcion et la rupture radicale, Paul de Tarse, Cilicie, mort à 65 à Rome, conversion de Saul, vocation universelle non-juif, Adonis mourant, hermaphrodite, Endymion, Ganymède, Pyrrhonisme, Caligula, Ephésos, temple d'Artémis, Boris Lehmann, Pip Chodorow, Eric Bülow, Peter Grenevey, Cardinal Bishop. Balzac, Sarrazine, Roland Barthes, S. Z. Antinous, Gou Exquis, Castrata, Voix, Sculpteur, Déchiquiteur, Objet partiel, Le tout, La partie, Volume, Marbre transparent, Transpirant, Bois odoré, Fra Angelico, Christ moqué. Flaubert, à Sainte-Beuve, Madame Bovary, sage mélancolique, Salambo, maniaque, serpent à plume, danse des morts, danse des vivants, bipolaire, rue de Matignon, colonnade, Paris Match, ruelle, sombre Paris, jeune Italie, Rousseau, Lord Byron, Maurice Barrès, Maurice Blanchot, Georges Bataille, une cérémonie, festin, les philosophes du quartier, obscure origine des polyglottes, l'argent sale et frais, goût, Messin, l'école des beaux-arts.
que Paul, Hôtel Lutetia, rue Grenelle, Umberto Eco et Nice Patouche, Danse Macabre, Josephine Baker, Bohémien, Balkan, L'opium des Turcs, Turban, Les Goûts Italiens, Aigle de Cognac, Sept Églises, Sept Dormants, Mille Églises, Chis Martio. Arachne, en Kébout, Épicure, Lucrèce, De Rerum Natura, Continuité universelle, effet des papillons, simulacre dans l'essence. Utilité aiguise l'essence par le pragment, habitude, hexis, peur, crainte, famine, manque, simulation, imago, image constituée. Nietzsche. Subspecies spinosale. Spinoza de Bayle, de Diderot, asiatique. Spinen, tresser un réseau de son nombril. Faire revenir tout à soi. Capter une image comme une mouche dans la toile d'araignée. Chasse, scène de chasse, Dione, Adonis, Minerve, tuant son concurrent de tissage à la chenille, modèle philosophique de deuil, d'après-coup, collection intériorisante, à la chenille comme Médus. Cause efficiente en effectivité en tout. Contre Athènes, Curias, de symbole en marbre, bloc. Médus et Shiva, les mains et les jambes font un circuit. Rue de la fortune, circulation universelle des biens, scène de chasse, et des donations naturelles. Mosaïque des scènes de chasse byzantine. Frangelico, Chris Mocker, soufflet d'esprit païen. C'est bizarre. J'ai découvert une sorte de tunnel. Je ne sais pas. Mais c'est long. Au départ, je croyais que c'était un endroit que j'avais déjà découvert, mais tout est changé ou bien bloqué. Il y avait une maison désaffectée, mais c'est disparu. Mais ce qui est bizarre, le petit corridor tunnel est resté intact, malgré tous les changements, malgré tous les investissements humains. C'est une expérience bizarre, mais je me suis sauvé. Ça change selon la saison. On est en train de sortir d'hiver. C'est la solstice d'hiver. Hop. Voilà. Je ferme l'endroit. L'autre se ferme. Ça reste intact. De lancer sous la protection spirituelle, bien sûr. Il n'y a aucune caméra, aucune surveillance, mais il y a beaucoup de bruit là. Ben, je vais partir là.
puis il y a une guerre, l'une des plus tristes et très longues, c'est entre les poètes et les... je dirais pas des scientifiques, parce que ça n'existe pas. Les philosophes d'une certaine espèce, et ils ont usé toute la raison de métaphoricité ontologique des poètes. Là, ils ont cherché, depuis Lucretius jusqu'à Spinoza, un système rationnel, déductif, qui sera conforme à l'état des choses. Mais quand même, Spinoza avait commencé à avoir une certaine inquiétude de l'histoire, un sens d'histoire. C'est pour ça qu'il a écrit cet traité théologico-politique pour un peu faire face d'abord à sa religion, à lui, et judaïsme qui est religion de toutes. Alors, finalement, il y a un divorce qu'on n'attendait pas, mais eux, implicitement, ils avaient rêvé cette victoire du rationalisme, qui n'a rien à voir finalement au rationalisme, qui était une rechute dans l'état des choses. Bien sûr, depuis Lucrèce, Démocrite, on cherchait l'état des choses en tant que tel, leur mouvement virtuel inapparent, on soupçonnait. C'est pour ça que les poètes les aidaient. Eh bien, on a constitué une science, c'est pas constitué, c'est une petite partielle de ce qu'ils ont vu, mais quand même leur curiosité, c'est remarquable. En fait, ils polissaient le verre pour voir encore plus profondeur, plus nette. En fait, Spinoza, il était complètement envahi par les choses. Chosaïté de la chose, en dehors des choses, c'est les liquides, les circulations. Il connaissait pas malheureusement l'électricité comme Hegel. Oui, il fallait une Benjamin Franklin, Faraday. Eh bien, nous connaissons aussi Einstein, connexion des atomes, les divisions d'atomes, etc. C'est encore la poésie, tout ça, mais il prend sérieux. En plus, ils ont cette... je ne sais pas d'où vient peut-être souverain cette osivité de faire des armes avec nos poèmes. Ça, c'est un peu lourde. C'est pour ça que la guerre ne se terminera jamais. L'ennemi est très clair et distinct. Là, il faut chasser l'ennemi. Là, on voit. C'est la nuit de chasse aux sorcières du roi.